neige suit. Oui pour la vie, alors c'est non. Dans l'arrière-cuisine, ça n'a même pas bardé. Monsieur est reparti. On l'entend déambuler dans l'appartement. Comme un animal à grandes pattes qui arpenterait son territoire. Tout est familier. Monsieur n'a pas de raison de s'attarder sur ce qui vient de se passer. Le chat, que tout le monde appelle maintenant Chou, lui aussi se promène, posant ses petites pattes feutrées partout. Il est à peine venu sentir ce pauvre lapin. Lui est autorisé à vivre. Tout va bien, tout est normal. Yvette est maintenant seule dans cette arrière-cuisine. Seule devant le carton qui s'agite. Le lapin, ce condamné à mort, bouge. A-t-il l'intuition de ce qui va se passer ? Détail horrible, la pierre à affûter est sur la table. Ah, il faudrait faire vite. Comment se faire invisible ? Serrer les dents, comme pour un secret ? Agir. Agir, tout simplement agir. Les idées se bousculent. Voyons, qui doit exécuter cet ordre ? Se dit Yvette. Quel ordre, d'ailleurs ? Rien n'a été dit. Ce que monsieur et madame Mercier veulent, c'est que j'obéisse. On m'enverra faire une course. Pendant ce temps-là, Léonie ou quelqu'un d'autre viendra avec une cuvette. Elle l'assommera avant de lui arracher un œil avec un couteau pointu pour le saigner. Quand je reviendrai, ce sera fait. On aura caché son pauvre corps écorché sous un torchon blanc impeccable. Sa peau, dépouillée, enlevée aussi vite qu'un pyjama, sera mise à sécher, tendue en l'air comme un cerf-volant au-dessus de nos têtes. Des petits vaisseaux pendront de ce vêtement parchemin et finiront par devenir des filaments secs qui se détacheront tout seuls. C'est un scénario, c'est une odeur connue, dont l'évocation provoque toujours la même peine, la même fatigue amère et le même dégoût. Cette peau séchée sera un jour réclamée par le père Talmont, qui fait le tour de la ville en criant « Peau de lapin ! Peau de lapin ! Peau de lapin !» On me demandera peut-être de décrocher moi-même cette fourrure martyre et de la descendre au bonhomme, qui, lui, l'accrochera à son vélo et gagnera un peu de sous en la vendant chez un fourreur. Et voilà, en donnant cette peau, les merciers croiront qu'ils ont rendu un service à la misère. Pauvre neige, encagée, tuée, mangée et transformée en col de manteau. Ce n'est pas imaginaire, ça. Yvette n'a rien inventé. Si on la surprenait à pleurer, on lui dirait qu'il faut bien manger et qu'il ne faut plus y penser. Comment faire ? Elle devrait rester fixée sur ce qui lui plaît. Elle pourrait se débrouiller pour ne pas être là, ne pas se confronter à cette réalité et oublier. Oublier la tête, oublier le petit nez de neige qui remue dans le besoin de chercher par où partir pour choisir une escapade. Oui, oublier tout ça. Ne plus penser à l'envie de vivre qu'il a. Allez, on n'y pense plus. On se met à table, comme tout le monde, et on mange un civet. La tête est dans un plat, puis finit sur le bord d'une assiette, au rebut. Il ne faut pas y penser. Ah oui, juste ça, ne pas y penser. Même si on voit ses petites dents dans la poubelle, parmi les épluchures, oublier la décomposition de sa vie. Cette vision a déjà fait son effet. Yvette, le menton levé, a saisi le carton sous un bras et monte l'échelle pour atteindre son territoire. Une fois le butin délicatement posé sur son drap, elle arrange des couvertures par-dessus, en dôme. Ce n'est pas discret. Alors, devant, comme s'il s'agissait d'un rideau, il lui vient d'étaler des bas de soie que sa sœur lui a offert pour le mariage d'une cousine. C'est la meilleure idée de cette effrontée. L'indécence. Elle n'a pas tort. Ses bas qui pendent de son lit haut perché et se balancent comme suivant une brise légère ont fait leur effet. Personne n'a osé lever les yeux vers eux et il n'est question de rien. Toute la journée, Yvette travaille avec zèle et chante. Mon petit lapin a bien du chagrin, la 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 la. Le plaisir de l'insolence favorise-t-il un travail d'extension de la pensée ? Il le faudrait. Ça tiraille dans tous les sens, car il va bien falloir trouver une solution. Il faut compter que les bas, que personne ne fait mine de voir, seront quand même décrochés. Et il faudra bien trouver une autre barricade, ou changer de tactique. Alors, que faire ? De l'immeuble, Yvette connaît la répartition. Chaque étage a son univers. Depuis le matin, elle réfléchit.
Au-dessus, c'est un assureur qui emploie 6 commis pressés qu'on croise dans les escaliers chaque jour. Elle ne connaît ni le regard ni la voix d'aucun d'eux. Qu'irait-elle leur demander ? C'est trop risqué. Plus haut, 2 familles occupent chaque côté du palier. Elle a déjà rencontré les mères, tenant des poules avec les pattes attachées, maintenues la tête en bas. Elle les a entendues les tuer. Les cris, l'affolement de l'animal, si elles y sont insensibles, que leur demander pour elles ? C'est peine perdue. Et plus haut encore, au dernier, ce sont des petits logements, plus ou moins vides. Il y a bien la lingère dans l'un d'eux. Pour être précis, Angèle travaille dans celui qui possède un escalier, menant au grenier recouvrant tout l'immeuble. Le soir, elle part à vélo, mais pas toujours. Sa vieille mère ne vit pas très loin sur la grande place. Cette femme insolite, dont Léonie se moque, parce qu'en maugréant, elle monte et descend des bouteilles de bière plusieurs fois par jour, Yvette décide d'aller la voir. Elles se connaissent déjà un peu. Elle repasse le linge des merciers. Est-ce qu'elle accepterait de prendre neige ? Pourquoi pas ? Elle pourrait le cacher dans le grenier, il ne gênerait personne. C'est seulement en fin d'après-midi qu'Yvette trouve une occasion pour se rendre chez la repasseuse. Il y aura peut-être une bonne surprise. Le carton sous le bras, notre héroïne réussit à ne croiser personne jusqu'à la sonnette qui ne marche pas. À travers la porte, on entend la radio. La jeune fille tambourine, frappe, gratte. « Quoi encore ?» crie une voix agacée. « C'est Yvette. Je suis employée chez les Merciers. »« Qu'est-ce que tu veux ? Ce n'est pas prêt. J'avais dit 6 heures pour les nappes. »« Quelque chose. Je voudrais vous demander quelque chose. » La porte s'ouvre. Angèle est campée dans sa blouse de coton blanc. Et voilà qu'elle saute sur le carton qu'elle saisit machinalement. « Ce n'est pas du linge, Angèle. » « Je m'en doute, » dit-elle en cherchant à distinguer l'intérieur. « Il va être tué si on ne fait rien. Reprends-le et pose-le là-bas. »« Où ça ? J'avais pensé que dans le grenier, il ne gênerait personne. »« Pourquoi tu ne l'as pas mis dans la cave ? Il y a trop de passages. »« Pas sûr, mais bon. »« Tu sais combien ça coûte, un gros lapin ?»« Non. Retourne. Porte les draps à Léonie, ils sont prêts. Débrouille-toi pour revenir chercher les nappes à 6 heures. » Yvette veut bien être à ses ordres. C'est rassurant. Ce corps gentil, qui gonfle sa blouse blanche, c'est généreux, bien repassé, ça paraît vrai. Tout de même, en partant, Yvette s'immobilise sur une marche. Difficile de redescendre si vite, en laissant neige, sans se sentir un peu étourdie. La porte d'Angèle s'en trouve à nouveau. « Pas la peine d'apporter du pain dur, j'ai ce qu'il faut. » Yvette reprend courage et dévale l'escalier en chantonnant. « Picotti, picota, la 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 la, picotti. » Il va falloir affronter les merciers. Comme on efface une dette, elle se met à astiquer les cuivres, bien que ce ne soit pas le jour. On est aujourd'hui mercredi. C'est un jour de couture. Elle pourrait faire du raccommodage, tranquillement, et profiter de la présence de Chou, qui adore se blottir contre elle et jouer avec son ouvrage. Mais elle astique. Après les casseroles, elle se demande si elle ne va pas attaquer à l'encaustique le plus grand des buffets. Quand tout à coup, Léonie lui prend le chiffon des mains et lui crie à l'oreille. « Il paraît que tu as aussi fait les cuivres de l'entrée. Tu te crois donc vendredi ? Va plutôt porter les bleus du patron chez la mère Angèle et dis-lui qu'il les faudra avant samedi. Je finis et j'y vais tout de suite. Tu ne finis rien. Tu ranges ton bazar et tu y vas. Oui, Léonie. » Quand Yvette frappe à la porte, Angèle met du temps à répondre. Un bruit de verre et de bouteille. Enfin, ça y est. Elle est devant elle, toute blanche, comme une infirmière. Ses cheveux tout électriques forment une couronne autour de sa tête. « Il n'est pas 6 heures. Tu m'apportes des bleus, mais ce n'est pas le jour des bleus. C'est Léonie qui t'envoie. » Elle se doute de quelque chose. « Je ne suis pas une voleuse. Tiens, voilà 5 francs pour le lapin. Débrouille-toi pour les donner. » « Mais à qui ? Je sais qui, moi. Neige, où avez-vous mis Neige ? Je l'ai lâché là-haut, mais il va partir. Mon frère va passer, il l'emmènera chez lui. Il a un grand enclos avec tout ce qu'il faut. Ce sera mieux qu'ici. Personne ne lui fera de mal. » « On va pas le manger, tu pourras même aller le voir. Il y a déjà des dindes, des pintades, des canards et d'autres lapins. C'est un brave gars, mon Nicolas. Ah, je ne vous remercierai jamais assez. Leur passage, ça donne soif. Quand tu fais les courses, ce serait facile pour toi de monter des bouteilles. De l'eau, avec un petit peu de bière. » Ainsi fut scellé le sort de ce gros lapin de 5 francs. Sauvé. Yvette était soulagée, mais il lui fallait encore trouver le moyen de donner l'argent sans savoir à qui. Après une semaine, la présence
après tout, tout dépend de la façon dont on dit les choses. Alors le lendemain matin, lorsque Léonie déboule dans la cuisine, en s'époumonant comme d'habitude pour qui va te se lève et l'aide à griller les tartines et à préparer le café, la grande enfant se lance dans une explication. « J'ai trouvé 5 francs par terre dans la cuisine, c'est certainement de l'argent pour les patrons. Quelqu'un les aura perdus, je vais leur donner, eux vont bien savoir. » Léonie hausse les épaules et ne prête pas la moindre importance à ses propos. Si ce n'est que ses gestes deviennent plus secs, presque brutaux. Un peu comme si c'était sa manière de déclarer un refus. Refus de toutes ces balivernes, elle ne veut rien savoir. Ce mouvement d'humeur effraie la jeune fille qui ne peut que s'accrocher à l'histoire qu'elle produit et qu'elle veut bien enrichir de détails imaginaires pour l'adoucir, pour la rendre convaincante. Alors elle y va et s'embourbe dans des explications que ni Léonie ni personne n'écoute. Et les 5 francs restent toute la journée sur la table de la cuisine. À midi, Yvette recommence un discours en position légère. Elle tient juste à signaler qu'il y a une pièce de 5 francs à ranger. Elle se fait l'effet de quelqu'un qui chante une chanson choisie pour une belle occasion, mais que personne ne veut écouter. Elle aurait voulu sceller avec cette pièce un pacte. Mais non, il n'y a pas de reconnaissance sur son discours sur l'argent, parce qu'elle s'est lancée dans un sauvetage que personne ne veut admettre. Et pourtant, personne ne lui demande ce qu'est devenu le lapin. Au moins, elle pourrait s'expliquer. Peut-être qu'il se mettrait à sa place et que tout le monde serait content de cette vie épargnée. Mais on ne lui demande rien. Et les jours suivants, Yvette voit bien qu'on la tient à l'écart. La pièce d'argent demeure sur la table de la cuisine et ne va dans aucune poche. Elle paraît même devenue intouchable. Le jeudi suivant, une lettre de ses parents lui est remise le matin, à la descente de son échelle. C'est la belle écriture de sa mère. « Ma fille, les merciers nous ont écrit que tu leur as volé un lapin. C'est indigne. Après tout ce qu'ils ont fait pour toi, le père viendra te chercher dimanche, mais tu ne reviendras pas chez nous. » Signé, Maman qui t'embrasse. Il n'y a qu'Angèle qui comprend son chagrin et qui veut bien lui parler. Attendrie, elle lui explique que les merciers ont fait le maximum de ce qu'ils pouvaient faire. Le maximum, tu veux dire? En acceptant le petit chat de Mimi? Chou? Non, ils avaient besoin d'un chat contre les souris, ça les arrangeait. Mais ils ne t'ont pas demandé de tuer le lapin, de le tuer toi-même. Évidemment que tes parents ne sont pas contents. Tu les inquiètes. Tu ne comprends pas ça. Mais Chou, mon gros chaton, je pourrais l'emmener? J'aurais bien voulu le ramener à Mimi, sa mère. Moi aussi, j'aurais voulu rentrer chez moi. Laisse-le ici. Ne le mêle pas à cette histoire. Il est bien heureux. Tu crois que je ne le reverrai plus? Maintenant que les merciers ont dit que tu étais une voleuse, ils sont bien obligés de te faire partir. Mais dans quelque temps, tout sera oublié. Tu pourras revenir. Moi, je t'ouvrirai ma porte, toujours. On s'écrira? Mais oui. Tiens, mon frère a un appareil photo. Dès que tu me donneras ta nouvelle adresse, je me débrouillerai pour t'envoyer une photo de Chou. Dans son panier? Tu lui laisseras, d'ailleurs. Je vais te donner un autre bagage. Ne pleure plus. Et puis dis-toi que Neige est bien chez mon frère. Je peux te le dire. Allez, mouche-toi. C'est vrai. Le dimanche matin, son père est venu la chercher. Tout le monde était malheureux. Pendant tout le long voyage, en train, Yvette n'a pas osé dire un mot pour demander où ils allaient. Le scandale fut vite oublié. Il y eut des lettres échangées, entre tous, beaucoup même. Des pages et des pages où on se dit les petits riens qui font la vie. Angèle envoya comme promis la photo de Chou dans son panier et une de Neige, couchée de tout son long dans l'herbe, grignotant tranquillement une tige d'herbe, une oreille négligemment courbée, comme un vrai Bugs Bunny. Quel plaisir de le voir bien heureux.